La recette est vraiment très simple à faire. On va commencer par casser l'œuf dans un petit récipient pour éviter d'avoir une mayonnaise croquante. Je ne sais pas vous, mais moi je suis douée pour toujours mettre un petit peu de coque et en général c'est désagréable en bouche. Donc, œuf réussi. On va le mettre dans le récipient ou le bol en fait de votre robot. On va mettre une bonne cuillerée de moutarde. Oula, je suis sur la fin là. Je gratte bien. Non, je racle bien. On va mettre un petit peu de vinaigre de cidre. Alors, dans la recette de Chef Michel Dumas, il a mis de l'harissa. Je n'en ai pas, donc je vais mettre un tout petit peu de piment d'Espelette. Hop. La recette est vraiment très très simple parce qu'on met tous les ingrédients dans le bol et on va mixer. Contrairement à la mayonnaise classique qu'on a l'habitude de faire, il fallait mélanger les œufs, enfin le jaune d'œuf avec la moutarde et puis après commencer à monter la mayonnaise avec de l'huile en l'ajoutant en filet. Donc c'est toujours un petit peu galère et on n'est jamais sûr du résultat. Donc là, on a mis tous les ingrédients, on plonge la machine miracle et c'est parti. Je commence à mixer.